ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सुनना सबको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है ना, तभी Tout le monde aime écouter la connaissance. C'est pour ça que vous êtes ici ce soir, parce que vous aimez écouter la connaissance, n'est-ce pas? Alors, si vous aimez écouter, vous devez aussi avoir plus de compréhension. Quand on écoute, on doit créer l'habitude de comprendre. Parfois, les gens écoutent, mais ne comprennent pas nécessairement. Alors, écoutez pour comprendre clairement. Et ensuite, on peut pratiquer. Si ce que vous comprenez, on sait comment le faire. Après, en somme, on peut le pratiquer après. Et quand on pratique, et on expérimente quand on pratique. Et Baba dit, expérimenter, c'est une grande autorité. Alors, nous écoutons et nous comprenons que oui, c'est important, donc le discernement. Et ensuite, on expérimente. On donne une forme d'expérience. Comme ce matin, depuis ce matin, nous comprenons le niveau de félicité. Je l'ai expliqué hier. Ce sont des gens qui ne sont pas, qui ne ressentent pas le blâme ou le chagrin, et c'est une relation de vérité avec le soi. Alors, ce matin, depuis l'Amrit Vela, on pratique la félicité, la joie au-delà des sciences. Ainsi, c'est facile de saisir la connaissance parce qu'on entend le mot félicité et on l'expérimente quand on l'entend. Avant, peut-être qu'on ne portait pas attention, mais maintenant qu'on comprend le mot « je suis une âme bienheureuse », c'est ce que l'on expérimente maintenant. Alors, aujourd'hui, on a essayé de l'expérimenter plusieurs fois et expérimenter ce niveau. Alors, je comprends, je suis d'accord et puis ensuite, je pratique. Alors, quand je me suis regardée dans l'après-midi, à l'intérieur, il y avait des vagues de bonheur. Ça, c'est la félicité. Un sourire sur notre visage. Il n'y a pas l'attirance des organes physiques ou du corps. Parce que le bonheur ne vient pas des sens physiques, mais vient de l'intérieur. Et on se sent heureux de l'intérieur. Parfois, quand quelqu'un est d'accord avec moi, je suis heureux, mais s'ils ne sont pas d'accord, je ne suis pas heureux. Mais Baba dit, à ce moment-là, on prend de la peine et on donne de la peine, mais on ne doit pas. Les bonnes personnes, beaucoup de plaisir ou de bonheur aux autres, mais ils prennent aussi beaucoup de chagrin des autres. Alors, il faut laisser aller cette habitude de prendre la peine. Et aujourd'hui, on s'est dit, je dois aller au-delà de silence. On va au-delà de recevoir, de prendre la peine. Parce que on sentira ce chagrin. Et quand on ressent cette tristesse ou cette peine, on perd notre pouvoir. Et si on se sent pas bien, parfois il y a toutes sortes, quand on prend de la peine, il y a toutes sortes d'émotions, de jalousie ou de colère ou d'irritation. Ce sont de toutes petites choses, mais on prend la peine. Alors ça devient notre nature, on ne doit pas le faire. Et ensuite, on voit cette peine sur notre visage et ensuite, l'atmosphère devient
tel. Et on nous dit, pourquoi es-tu si malheureux ou es-tu de si mauvaise humeur? Alors, rester dans ce bonheur au-delà des sens. Et quand, si quelqu'un nous fait des compliments, cela nous fait plaisir, mais on doit dire, Baba, c'est toi qui m'as rendu instrument et c'est grâce à toi que je suis comme ça. On écoute. Et on ne doit jamais sentir l'insulte. Alors, on doit la respecter, cette personne, parce que sinon, cette personne ressentira aussi le non-respect. Dans l'âge de confluence, on passe notre vie de cette manière. C'est pour cela, Baba dit, enfant, la joie au-delà des sens, tout ce que tu reçois par tes organes physiques, tes yeux, tes oreilles, même la nourriture que tu prends, tu dois la sentir au-delà des sens. Ainsi, le temps viendra et cette pratique doit être faite dès aujourd'hui. Peut-être que vous ne recevrez rien, mais on doit se pratiquer. Et dans le Yagya, pendant 15 jours, le Père Brahma là, il faisait manger du millet, du pain de millet. Et quelqu'un avait dit, je vais peut-être devenir malade. Mais les autres, tout le monde en a mangé, personne n'est devenu malade. Alors, prendre la nourriture, cela dépend des pensées que l'on a dans la tête. Alors, notre attitude doit être toujours en lien avec la joie au-delà des sens. Et on doit être dans ce niveau de félicité. Et du cœur, on doit être dans ce niveau, dans notre cœur. Et dans notre cœur, on louange Baba, on se souvient de Baba. Et dans notre cœur, si on se souvient de qui que ce soit, ce souvenir les atteindront, les bons souhaits les atteindront. Alors, il faut toujours se rappeler des âmes à qui on envoie des souhaits à partir de notre cœur. Et c'est de même pour le souvenir de Baba. Ça doit se faire à partir de notre cœur. Alors, si quelqu'un est dans le niveau de félicité, et ce matin, je pensais à qu'est-ce que c'est cette expérience, et nous avons cette expérience, on a cette compréhension, on a la définition, c'est la joie au-delà des sens. Alors, quand on pratique, on se demande qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout le monde fait la pratique? Et pour améliorer notre conscience de l'âme, je suis une forme de vérité et je suis emplie de félicité et c'est facile. Quelle est la félicité? Il y avait une vague qui venait dans mon cœur. Et si je me dis, je ne suis pas capable de rien expérimenter, quelle que soit la pensée que l'on crée, est connectée à notre âme. Alors, si ce sont de mauvaises pensées, toutes ces pensées seront en lien avec notre âme. Ce n'est pas un mantra que l'on fait, ce sont des bonnes pensées. Quand on crée les pensées, on sait que l'âme est branché sur ses pensées. Alors, la conscience de l'âme, c'est notre but pour le travail que l'on fait. De cette façon, on doit sentir que la félicité, c'est notre qualité originelle. Et toute
les pratiques que l'on fait, que l'on entend, on doit les entendre et on doit les comprendre et ensuite les expérimenter. Et c'est cette expérience qui nous attirera et qui nous élèvera dans notre niveau. Tout ce que l'on expérimente intérieurement, cela émerge. Si on connaît un goût sûr, alors on l'a. Qu'est-ce que c'est un goût qui est doux? On le goûte, on en fait l'expérience et ensuite on le reconnaît. Et c'est la même chose pour la félicité. On connaît la signification, on l'expérimente et on la reconnaît, cette expérience. Et c'est de même pour les cinq formes et on doit se stabiliser dans les cinq formes, régulièrement, dans les cinq formes. Et maintenant, ceux qui ont pratiqué les cinq formes, ils peuvent se stabiliser dans chacune des formes. Baba disait, vous créez une pensée dans votre tête que c'est une mangue. Et ce à quoi la mangue ressemble, ce à quoi la mangue goûte, et ça devient une seule pensée de l'expérience. Alors, quand on fait l'expérience, ça devient une seule pensée parce que tout ce qui concerne la mangue, on le connaît. Et on doit compléter de plus en plus d'expériences de ce type-là pour que ça devienne une seule pensée, donc une seule seconde pour retrouver cette expérience. Alors, c'est ainsi que je peux me stabiliser dans ce niveau. Baba nous a donné le temps pour faire cette pratique et on doit le faire correctement. Parce que peut-être qu'on n'aura plus d'expérience, d'occasion de faire ce genre d'expérience. Alors, vous avez probablement aujourd'hui expérimenté beaucoup l'incarnation de la félicité aujourd'hui. Ainsi, en une pensée, vous pourriez revenir à ce qu'est la félicité. Ce n'est plus une pensée de simplement la félicité ou le bonheur au-delà des sens, la joie au-delà des sens, mais parce que je l'ai expérimenté, je pense à la félicité et je revis cette expérience. Mais tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas revivre l'expérience. Et on ne peut pas se stabiliser en une seule seconde. Être dans ce niveau de joie au-delà des sens, ça ne viendra seulement, et si seulement si, on ne l'aura pratiqué. C'est ainsi que ce sera possible. Om Shanti.